Et on reprend, allez. Mais voyons, ce n'est pas possible, mère. Je ne peux pas, je ne suis pas mariée. Dieu Tout-Puissant, c'est bien pour cela. Parce que tu n'es pas mariée. C'est cela qui est effroyable. Allons, calme-toi, ma fille, tout va s'arranger. Cela ne pourra jamais s'arranger. Je vais mourir, maman. Oh, maman, je vais mourir. Tu ne vas pas mourir, mon petit, oh Dieu de miséricorde, tu ne vas pas mourir. Arrêtez. Excusez-moi, mais il faut que vous jouiez ça avec un peu plus de conviction. Wendla est enceinte, c'est un scandale. Sur le plan social, c'est une catastrophe. Laura, tu n'en as pas conscience, mais tu as peur. Tu crèves de peur. Et toi encore plus, Suzanne. Parce que tu la pressens, cette catastrophe. Compris ? Et on reprend un peu plus haut. Oui. J'ai pu emprunter le cabriolet de ma mère. On pourrait faire un tour et aller ensuite au Harris Bar. Je suis désolée, mais j'ai déjà quelque chose de prévu. Eh bien, décommande-toi. Si tu veux, je te laisserai conduire. Fiche-moi la paix, enfin. Je t'ai dit que j'avais pas envie. Tu peux t'estimer heureuse que je tienne ma langue, petite pisseuse. Ramène plutôt la voiture à ta maman et en vitesse. Mais vous feriez bien de vous concentrer sur votre texte. C'est bientôt à vous. Bon, je pense qu'il vaut mieux s'arrêter là pour aujourd'hui. Il est 8h30 et tout le monde est fatigué. Monsieur Friss, je peux vous parler une seconde? Oui, bien sûr. Est-ce que tu as le temps de venir boire une bière? Non, pas aujourd'hui. Bonne nuit. Bonne nuit, Nicolas. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a? Tranquille. Qu'est-ce que tu me veux? Laisse-moi tranquille. C'est pas vrai, il faut en plus que j'aille éteindre là-haut. Cette manie de tout laisser allumer, non mais... Eh merde, là-bas derrière aussi. Hein? Ah, c'est plus de mon âge tout ça. Oh, mon Dieu! Mais qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle? Ça va pas, dites-moi! Mademoiselle! Oh, mon Dieu! Les pompiers, oui. La police! Oh. Je regrette, je ne peux vraiment pas, ma chérie. Pourquoi est-ce que toi, tu ne viendrais pas ici? D'un coup d'avion, ma puce, c'est dire qu'avant, tu adorais la vie nocturne de Francfort. En plus, tu n'as pas encore vu mon nouveau bureau, je suis installé au 27e étage. Bien sûr, je t'envoie un billet d'avion. Je me réjouis de te voir, Sonia. Prends bien soin de toi, ma chérie. C'est ça. Ciao. Quand est-ce que tu vas enfin me la présenter, ta fille? Dans quelques jours, pendant les vacances universitaires. Mais venir rendre visite à son papa, c'est bien moins amusant que d'aller avec ses copines danser dans les boîtes de Londres. Élever tout seul une grande fille comme ça, je te félicite. Ce n'est pas aussi difficile que tu l'imagines. Elle a quoi, 20 ans? Elle est jolie. Elle a déjà un petit ami? Ne rêve pas, Joseph. Et je disais ça comme ça... Quand je regarde Sonia, je me dis que j'aimerais bien avoir une fille, moi aussi. Il n'est peut-être pas trop tard. Oui, mais je voudrais qu'elle ait déjà 18 ans. Là, ça me paraît difficile. Bonjour. Bonjour. Il faudrait que je parle à Maître Lessing le plus vite possible. Ah, mais vous n'avez pas de rendez-vous, madame? Non, en effet, excusez-moi. Mon nom est Régine Kraft. Oui. Peut-être connaissez-vous ma boutique. Elle est lui. Voyez-vous, mon fils a des problèmes, de très graves problèmes. Il faudrait que j'en parle à Maître Lessing de toute urgence. Je vais voir si elle peut vous recevoir. Merci. Oui. Maître Lessing. Oui. Bonjour, je m'appelle Régine Kraft. Vous m'avez été recommandée... Oui, de quoi s'agit-il?
Monsieur Matula est détective, nous travaillons ensemble. Bonjour. Eh bien voilà, il s'agit de mon fils. La police est venue le chercher dans son lycée. Un meurtre a eu lieu là-bas hier soir et j'ai vraiment besoin de votre aide. Je vous en prie, allons dans mon bureau. Je te téléphone. Il faut agir très vite. Et les gars, ça sent une affaire juteuse. Et également le très bon parfum. Très bon et sans doute très cher. Au revoir, les gars. Au revoir, monsieur Matula. Je sais seulement que cette jeune fille, qui s'appelait Natasha Wigner, a été retrouvée étranglée dans un des vestiaires. Les policiers ont interrogé quelques personnes et... maintenant, voilà qu'ils soupçonnent mon fils. Pour quelle raison la police le soupçonne-t-elle ? Tom a eu un petit différend hier soir avec Natasha alors qu'ils répétaient leur pièce. Mais c'était tout à fait insignifiant. J'ai très peur maintenant que ces policiers ne fassent pression sur mon fils. Je vous conjure d'aller là-bas, maître. Rapidement. Encore quelques questions, Madame Kraft, que je me fasse une première idée. Quelles étaient ses relations avec Natasha ? Mon Dieu, des relations, tout ce qu'il y a de plus normal entre camarades de classe. Natasha est venue voir Tom chez nous une ou deux fois. C'était une jeune fille mûre et responsable, ça se voyait tout de suite. Beaucoup plus que Tom. Et dans quel état était Tom hier soir ? Est-ce qu'il vous a parlé de ce différend ? Il était déjà très tard hier soir lorsque je suis rentrée à la maison. Mais néanmoins, nous avons pris ensemble notre petit déjeuner ce matin et il était tout à fait normal. À aucun moment, il m'a parlé de ce différend. Je n'ai appris tout cela que tout à l'heure par un inspecteur de police. Helga, passez-moi le commissariat central. Tout de suite. Écoutez, je connais bien mon fils. Je l'aurais remarqué s'il s'était passé quelque chose de grave et que Tom commette un meurtre. C'est tout à fait inimaginable. Est-ce que Tom est enfant unique ? Oui. Vous savez, mon mari nous a abandonnés il y a déjà 10 ans. Tout ce qu'il m'a laissé en disparaissant, c'était une lettre, très brève, et une montagne de dettes. Alors, il a bien fallu que j'apprenne à m'en sortir toute seule. J'ai ouvert une boutique, et je me dis souvent que j'aurais dû trouver plus de temps à consacrer à mon fils. Mais enfin, Tom n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Faites-les revenir à la maison, je vous en prie. Lessing. Ça explique, bah. Pascal. Donc la répétition s'est terminée vers 20h30. Je suis retourné à la salle de sport. J'avais laissé là-bas le matin mes chaussures de basket. Ah. Et cette égratignure-là, vous l'êtes faite en vous appuyant sur le capot ? C'est exact. Je me suis écorché le bras en remplissant le lave-glace. Arrêtez de dire n'importe quoi. Hein, merci. Comment se fait-il alors qu'on ait retrouvé vos empreintes digitales dans le vestiaire de la jeune fille, c'est-à-dire sur les lieux du crime ? Il y a sûrement une erreur. Alors, c'est écrit là. Et le service anthropométrique ne se trompe jamais. Il arrive même à vos hommes de se tromper, monsieur Schmelzer. Bonjour. Bonjour. Mon nom est Lessing, je suis avocat, c'est votre mère qui vient de me prévenir. C'est bien que vous soyez là, ils veulent ma peau à tout prix. Évitez ce genre de réflexion, je vous le conseille. Pour que je puisse assurer votre défense, il faut que vous me signiez une procuration. Vous êtes majeur ? Oui, bien sûr. Tenez. Pourrais-je m'entretenir avec mon client pendant quelques instants ? Je vous en prie, et jetez aussi un coup d'œil là-dessus. De toute façon, j'ai quelque chose à faire. Bien, Tom, il va falloir que vous m'éclaircissiez certains points. Comment se fait-il qu'on ait trouvé vos empreintes digitales sur le bas de l'armoire ? Après la répétition, je suis allé chercher mes baskets dans la salle de sport. Et ensuite, je suis repassé par les vestiaires, mais très rapidement. Voir Natasha ? J'étais en rogne. Elle n'arrête pas de me dire qu'elle aime conduire le cabriolet, et ensuite, elle m'envoie promener devant les autres. Ce qui vous a énervé, bien sûr, je le comprends. Je l'ai juste traité de sale petite allumeuse, et puis ensuite, je suis parti. Et c'est tout ? Allons, voyons, Tom. Cette fille venait de vous envoyer promener devant les autres. Que s'est-il passé après ? Rien. J'ai seulement laissé éclater ma frustration. Je ne l'ai même pas touchée. Je vous jure que c'est vrai. Vous aimiez bien Natasha ? Vous étiez amoureux d'elle ? Moi ? Sûrement pas, non. D'autres, il y a des chances. À qui pensez-vous ? Nicolas Conradi. C'est lui qui est le metteur en scène de notre pièce de théâtre. Il a une façon de la regarder. Tenez, les premières conclusions du médecin légiste. D'après le rapport, on a retrouvé des fragments de peau sous les ongles de Natasha, et cette peau est celle de votre client.
Elle s'est défendue contre vous pour ne pas mourir. Ce ne sont que des assertions. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous n'auriez pas une cigarette à me passer ? Eh bien, s'il le faut vraiment, une minute. Tom ! Bon sang ! Wellman ! Allez, debout ! Allez, et on se calme ! Doucement, 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 doucement ! Allez, ça va, lâchez-moi ! Vous pouvez le lâcher. Maintenant, calmez-vous, Tom ! Reconnaissez que votre client vient de sérieusement aggraver son cas. Vous êtes en état d'arrestation. Mais pourquoi ? Pourquoi ça ? Puisque je vous dis que je n'ai rien fait ! Je peux encore lui parler en tête à tête. Si vous voulez, mais cette fois en cellule. Ce sera plus sûr. Embarquez-le. S'enfuir comme ça pour le commissaire, c'est comme si vous aviez avoué votre culpabilité. Je suis désolé, j'ai craqué d'un seul coup. Mais enfin, je ne vais quand même pas aller en prison pour quelque chose que je n'ai pas fait. Je vous ai dit que j'allais vous aider, c'est pour ça que je suis là. Mais à la seule condition que nous collaborions. Nous sommes bien d'accord ? Alors reprenons. Vous vous êtes disputé avec Natacha. Dans le rapport, il est écrit que le chemisier de la fille était déchiré. J'ai essayé de l'embrasser. Je sais, c'était complètement idiot de ma part. Elle s'est défendue et c'est comme ça qu'elle m'a griffé. Et ensuite, que s'est-il passé ? Eh bien, je n'ai pas insisté. Et je suis parti. Je ne l'ai pas étranglé. Jamais je n'aurais pu faire ça. Je vous en prie, il faut me croire. Vous avez croisé quelqu'un lorsque vous êtes sorti du lycée ? Non. Qu'est-ce qui va se passer ? Le commissaire va demander un mandat d'arrêt. Et il l'obtiendra à coup sûr. De ce côté-là, soyons réalistes. Bien entendu, je vais y faire opposition. Ne vous en faites pas. Il va falloir vous montrer patient. J'irai ensuite appeler votre mère. Non, je ne veux pas la voir. Elle ne peut rien faire pour moi. Elle se fait en tout cas beaucoup de soucis. Qu'est-ce qui peut écouter une musique pareille ? Entrez, c'est ouvert ! Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Je peins. Tu as raison, on en avait besoin. Eh oui, Marcus, je trouve pas d'appartement. Alors autant que je donne un coup de neuf à celui-ci. Bonjour, Madame Kraft. Bonjour. Le fils de Madame Kraft vient d'être arrêté. J'ai besoin de toi tout de suite. Oui, mais je suis en plein travaux, là. Je crois qu'il vaudrait mieux chercher un autre détective. Je ne travaille qu'avec le meilleur et Matula est le meilleur. Il faut de toute urgence en savoir plus sur la vie de la victime. C'est pas possible, tout risque de sécher. La victime s'appelait Natacha Wigner et elle habitait avec sa mère. Vous pensez que 1000 marks serait suffisant comme compte ? Excusez-moi, je m'appelle Matula. J'enquête pour le compte de Maître Lessing, le défenseur de Tom Kraft. Toutes mes condoléances pour votre sœur. Je suis un ami de Natacha, Nicolas Conradi. Je ne suis ici qu'en visite. J'aimerais m'entretenir avec la mère de Natacha. Une minute. Madame Wigner ne le souhaite pas pour l'instant. Il faut la comprendre. Conradi, c'est pas vous qui êtes le metteur en scène de la pièce de théâtre ? Si. Vous souhaitez sans doute aider votre camarade de classe. Mais je vois pas en quoi je pourrais vraiment l'aider. Au revoir. Et ça, belle machine. Avec une nez, je dirais 69. Ah, pas mal. 68. Ah. Frein à tambour refroidi par air. Vous êtes ami avec Tom ? Nous sommes dans la même classe, mais très franchement, Tom est un prétentieux. Justement, il prétend que Natacha avait un rendez-vous hier soir. Vous savez avec qui ? Elle était de mauvaise humeur. Peut-être qu'elle voulait surtout être tranquille. Ou qu'elle avait un chagrin d'amour. Qu'est-ce qui vous fait croire ça ? Bah, à son âge. C'était qui sa meilleure amie ? Laura. Laura Nals. Elle aussi, elle joue dans la pièce. On se retrouve tous demain au lycée pour une cérémonie d'adieu. Tom prétend aussi que vous étiez amoureux de Natacha.
d'une certaine façon, et nous avions des affinités spirituelles. C'est ce que Natacha disait. Elle pensait que dans une vie antérieure, nous avions été frères et sœurs. Il dit aussi que Natacha était plutôt allumeuse. Vous n'étiez pas jaloux ? N'importe quoi. N'allez surtout pas croire ça. Bonjour, Tom. Comment ça va ? Je n'ai pratiquement pas fermé l'œil de toute la nuit. Je ne tiendrai pas le coup. Il n'y a pas d'autre solution, c'est dur, je le sais, mais... Vous avez déjà été emprisonné ? Vous imaginez ce que c'est en plus quand on se dit qu'on n'a aucune raison de se trouver là ? Vous avez dit que vous n'aviez fait aucun mal à cette jeune fille et c'est ce que nous allons chercher à prouver. Je suis innocent. On était 10 élèves à la répétition, sans compter Fritz, le professeur. Qui est sorti le dernier de la salle de spectacle ? Je n'en sais rien. Nicolas est sorti en même temps que moi. Et quant à Natacha, elle bavardait encore avec Fritz. Vous savez à quel propos ? Non, aucune idée. Peut-être qu'elle lui expliquait pourquoi elle ne savait pas encore son texte. Elle voulait toujours prouver qu'en scène, c'était elle la meilleure. Elle voulait que Fritz lui fasse des compliments. Et ce Fritz, il est apprécié de ses élèves ? C'est le genre de prof qui aime bien jouer les bons copains. Et si les filles ont été bien à la répétition, il faut toujours qu'il leur fasse un petit bisou. Un peu hypocrite, à mon avis. Votre mère va venir demain. J'ai l'autorisation du juge d'instruction. Ce que je voudrais surtout, c'est qu'elle m'amène mon chien. Elle peut ? Votre chien ? Chico, c'est le seul être qui me manque vraiment. C'est certainement l'un des élèves du groupe de théâtre. Ouais, ton client en premier lieu. Tout plaît dans sa défaveur. Et pourquoi pas Nicolas Conradi ? Il paraît que lui aussi, il s'intéressait à Natacha. Il est sorti dans les premiers de la salle de spectacle. Lessing ? Monsieur Klinger ? Excuse-moi, s'il te plaît, tu aurais pas une petite pièce ? Tiens, t'as qu'à te servir. Ah, merci, c'est gentil. Et une saucisse, ça va ? Ah ouais, j'ai rien contre. Bien. Absolument. Je vous remercie. Au revoir. C'était le procureur Klinger. Natacha était enceinte de 8 semaines. Ça, c'est le comble. Ses parents n'étaient pas au courant. Tu crois qu'il y a un rapport entre le meurtre et sa grossesse ? Possible, mais je n'imagine pas que Tom soit le père. Il faut que la police judiciaire fasse des prélèvements de salive à tous ceux qui fréquentaient Natacha. Pour des analyses ADN. Ça coûte très cher, c'est vrai, mais je vais insister. Dis donc, où est ma saucisse ? Je l'ai donnée pour la bonne cause. De toute façon, elle avait mauvaise mine. Eh bien, je propose que ce soit Laura qui parle en notre nom à tous. Qu'est-ce que vous diriez d'un extrait de la pièce ? Ne cédons pas à la tristesse. Lorsque dans 30 ans nous y repenserons, peut-être en sourirons-nous. En ce moment, tout est si beau. Les montagnes flamboient, les raisins nous tombent dans la bouche. Merde. Je ne peux pas. Eh bien, toi, Nicolas, tu ne veux pas dire quelques mots ? C'est pourtant bien l'un d'entre nous qui doit le faire. Eh bien, alors faites-le, ce discours. Oh, je t'en prie. Tu es le délégué de classe. Je suis sûr que Natacha aurait aimé que tu le fasses. Vous croyez savoir ce qu'elle aurait aimé sous prétexte que... Sous prétexte que quoi ? Fichez-moi la paix. Bon, très bien. Réfléchissez cette nuit, puisque c'est un porte-conseil, et vous me direz si vous voulez repousser la première. Bonjour. Vous cherchez quelqu'un ? Monsieur Fritz ? Oui ? Je m'appelle Matula, je mène l'enquête pour l'avocat de Tom. Je peux vous parler un instant ? Oui, bien entendu, bien sûr. Le mieux, c'est que nous allions dans la salle d'informatique au premier étage. Allez-y, je vous rejoins. Oui. Laura, tu veux bien essayer de convaincre Nicolas pour le discours ? Oui, je vais essayer. Merci. Tire-toi et emporte cette merde ! Eh, hey, tu te calmes. J'en ai rien à faire, moi, de la police. Tu emportes cette saleté, sinon... Toi, tu arrêtes de me donner des ordres. On ne joue pas une pièce de théâtre. Hé, hey, non, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Tout va bien. Il y a juste un petit problème avec le lecteur de cet engin.
Moi, je crois qu'il y a juste un gros problème. Oui, c'est ce qui m'a semblé aussi. Je lui ai simplement dit d'emporter cette saleté d'ordinateur qui tombe en panne à tout bout de champ. Je suis désolé pour tout à l'heure. Je suis un peu à bout de nerfs. Oui, je comprends. En tout cas, pour Natacha, je ne pensais pas Tom capable de faire ça. Rien ne prouve encore que c'est lui. Ce monsieur s'appelle Matula. Il est détective. Il enquête pour l'avocat de Tom. On se connaît déjà. Hier soir, je l'ai vu, Natacha. Vous étiez amis avec elle, vous aussi? Hier soir, je suis passé là où elle habite. Son disque dur a un problème. Je venais le chercher. Bon, allez, à plus. Au revoir. Au revoir. C'est Andy Fleischmann. Il travaille dans le magasin d'informatique qui nous fournit nos ordinateurs. Et il peut entrer et sortir d'ici comme dans un moulin? Oui, eh bien on peut dire qu'il est souvent là pour jeter un coup d'œil au matériel. Il fait en quelque sorte un peu partie de la maison. Donc il aurait très bien pu se trouver ici hier soir. Oui, oui. Pourquoi pas? Andy est très ami avec un grand nombre d'étudiants, mais il communique le plus souvent par email. Monsieur Fries, de quoi avez-vous parlé avec Natacha après la répétition? Elle voulait me prier de l'excuser, parce qu'elle ne savait pas très bien son texte. Il n'y a pas eu que ça. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas entre elle et Tom. Et elle m'a dit que depuis qu'elle avait accepté de faire un tour en voiture avec lui, il ne cessait de lui faire une cour assidue et qu'il fallait que maintenant elle le freine un peu. Ce sont exactement les mots qu'elle a employés. Est-ce qu'elle n'avait pas un rendez-vous? Non, elle allait rentrer chez elle. Oui, elle m'a même demandé de la déposer. Mais justement, ce soir-là, j'avais rendez-vous avec mon beau-père et ma femme au restaurant. Et le restaurant était dans une direction tout à fait opposée. Alors... Est-ce que Natacha vous a dit qu'elle était enceinte? Vous étiez amis, non? Quoi? Mais d'où tenez-vous ça? Des médecins légistes. Non, j'étais absolument pas au courant. Oh, il va falloir maintenant que je rentre. Mais j'ai encore tout un tas de copies à corriger. Comment va Tom, au fait? J'ai pas été le voir, mais il supporte tout ça assez mal. À une autre fois. Oui, au revoir. C'est un beau métier, professeur. On a de belles élèves, une belle voiture. La voiture, c'est sa femme qui lui a mis sous le sapin pour Noël. Elle possède une grosse pharmacie à côté de la gare. Ah ouais? Je me sauve. Ciao, Laura. Ciao. C'est vous, Laura Nalos, la meilleure amie de Natacha? Oui. J'aimerais qu'on bavarde tous les deux. Et à quoi ça servira? Un de vos camarades de classe a été mis en prison. Il prétend qu'il est innocent. Vous devez souhaiter, vous aussi, que ce soit le véritable assassin qui soit puni. Et vous vous croyez capable de trouver le véritable assassin? Avec votre aide, je pourrais peut-être y arriver. Elle était enceinte? Est-ce que la police veut aussi me coller ça sur le dos? Je ne suis pour rien dans cette histoire! Ils doivent bien le savoir, ils m'ont fait une prise de sang! Alors, calmez-vous, Tom. On a le résultat du laboratoire et en tant que père, vous êtes disculpé. Eh bien alors, trouvez celui qui a fait un enfant à Natacha et vous saurez qui est son assassin. Ce n'est pas aussi simple. Et pourquoi ça? Natacha avait une liaison secrète. Le type a perdu la tête parce qu'il avait peur que ça se sache. Le voilà, le mobile. Mais enfin, vous êtes mon avocat, oui ou non? Exact. Et c'est pour ça que je cherche des preuves, au lieu de me contenter de théories. Tom, il y a quelqu'un qui vous attend à côté. Et s'il vous plaît, ne dites pas non. Je vous en prie, madame. Tom, mon garçon. Tu as abandonné ton magasin? Il ne fallait surtout pas te déranger pour moi. Mon petit, je suis sûre que tu es innocent. Je te crois. Je ferai tout pour toi. Oui, maman, je sais bien. Tu ferais tout pour moi. Dans, c'est pas une boisson lycéenne, ça? C'est très bon et en plus ça calme. Et qu'est-ce qu'en pensent papa et maman? Ma mère s'est tirée de la maison il y a 2 ans pour vivre au Maroc. Elle disait vouloir se réaliser. Non, tu peux pas faire ça! Excusez-moi un instant, je reviens tout de suite. Comment ça, rends-moi l'argent? Tu plaisantes ou quoi? Mon père rentre demain de sa tournée. Tu crois qu'il va pas remarquer qu'il manque 5000 marques? Tu le savais avant, non? Mais enfin, dis, Natacha est morte! Moi aussi, j'ai de la peine pour Natacha. Ouais, t'as de la peine? Oui, parfaitement. Mais on va pas se dégonfler pour autant. Vous venez pour jouer au billard ou discuter avec moi? Je vous ai dit que je revenais dans quelques instants.
Alors, jeunesse, on traite de grosses affaires? Va te faire voir, toi, le fruit merde. Un petit peu de respect, gamin. T'as un problème. Et je pense qu'il est en rapport avec le meurtre. On me dit, toi, de l'argent, c'est tout. Hé, vous êtes dingue ou quoi? Lâchez-moi! Je vais t'apprendre quelque chose. Natacha était enceinte. Et aujourd'hui ou demain, la police va venir vous faire des prélèvements de salive pour des tests ADN. J'espère pour vous deux que vous savez précisément où vous étiez au moment où Natacha a été assassinée. Voilà. Amusez-vous. Vous avez été parfait avec Andy. Une petite leçon, ça lui fait du bien. Andy faisait partie lui aussi des amoureux de Natacha? C'était le contraire. Il joue toujours les super cool, Natacha trouvait ça craquant. C'est plutôt elle qui drague Andy. Et Nicolas, ça l'a pas rendu jaloux? Je crois que Nicolas est lui aussi plutôt impressionné par Andy. Enfin, pas comme vous imaginez. Le père de Nicolas est chef d'orchestre, très bonne famille. Ça lui en impose un type comme Andy. La vie à la dure, la vraie vie. Andy a déjà fait de la prison à ce qu'on raconte. Pour quelle raison? Aucune idée. Peut-être qu'il l'a dit pour se rendre intéressant, en tout cas. Depuis qu'Andy a débarqué chez nous, ils étaient toujours ensemble, tous les trois. Natacha, Nicolas et Andy. Nicolas disait qu'Andy lui avait emprunté 5000 marques. Ça fait beaucoup, même pour le fils d'un chef d'orchestre. 5000? Moi? Il doit y avoir autre chose derrière tout ça. Peut-être de la drogue? Une histoire de dealer? Vous vous imaginez que j'irai trahir mes amis? Excusez-moi, mais il y a eu meurtre. Je croyais que Natacha était votre meilleure amie. Ce bruit comme quoi elle était enceinte, c'était du bluff, non? Si vous ne m'aidez pas, nous ne le saurons jamais. Eh bien voilà, la semaine dernière, Natacha m'a demandé l'adresse de mon médecin. Ce serait pas par hasard un gynécologue? Je lui ai demandé pourquoi elle n'allait pas voir celui de sa mère, comme elle faisait d'habitude. Elle m'a dit qu'elle voulait un médecin à elle. J'ai plus 12 ans, c'est ce qu'elle m'a dit. Comment il s'appelle? Le docteur Canisius. Landwehrstrasse. Bah, on dirait qu'il va y avoir de l'orage. Ouais, il y a plus de saison. Ah, autre chose. Natacha est effectivement allée chez ce médecin. Est-ce qu'elle a parlé du père de l'enfant? Non, elle n'a rien dit. De toute façon, le médecin lui non plus ne m'aurait rien dit. On a besoin de toute urgence d'une analyse ADN. Le procureur a refusé les prélèvements de salive. Pourquoi ça? Le commissaire Schmelzer estime que le meurtre n'a rien à voir avec la grossesse. Il croit toujours que le coupable est Tom. Tu ne peux pas exiger ce genre de test, juridiquement parlant? J'ai fait immédiatement le nécessaire, mais ça va prendre du temps. Qu'est-ce que tu en penses? Pour quelle raison est-ce qu'ils se disputaient, Nicolas Conradi et cet autre-là? Andy Fleischmann. Difficile à dire, vu la façon dont ils ont réagi à mon arrivée. Mais ça pourrait être en rapport avec Natacha. Et s'il s'agissait de chantage, il y aurait un mobile? Qu'est-ce qu'on sait à propos de ce Andy? J'ai appelé mon copain Feldhoff à la police judiciaire. Il va regarder s'ils ont quelque chose sur lui. Et tu en sais plus sur Conradi? Oh, il est inoffensif. C'est un fou de théâtre. Il admire Andy. Non, il faut voir les choses comme elles sont. Tom est notre principal suspect. C'est un enfant gâté, il a toujours eu tout ce qu'il voulait. Sauf de l'amour. Ça, c'est vrai. Il est amoureux de Natacha, il la drague, elle le repousse et qui plus est devant toute la classe. Alors c'est évident, ça le rend furieux. Dans les vestiaires, il essaie de l'embrasser. Elle se défend, il perd la tête et tu connais la suite. La parole était au procureur. Alors arrête, tu penses la même chose. Il est peut-être coléreux, mais il est loin d'être bête. Tom se serait douté qu'il serait le premier à être soupçonné. Sur le moment, il n'a pas réfléchi. Crois-moi, il n'a pas les nerfs assez solides. Il ne supporterait même pas un interrogatoire. À la première menace, il se trahirait immédiatement. Et comme il persiste à dire qu'il n'y est pour rien... Reste à savoir comment nous allons pouvoir le prouver. Bien, une chose est sûre dans cette enquête, c'est qu'il va pleuvoir. Ah. J'arriverai jamais à finir, moi. Je vous dérange? Non, non, entrez. Mais dites donc, comment vous connaissez mon adresse? L'annuaire. Ah bah oui, oui. Sympa, votre appartement. Vous dites ça en plaisantant? Non, c'est vrai.
J'aime bien quand ce n'est pas encore terminé. Ah. Vous auriez une bière ? Une bière ? Ouais. Tenez. Alors, qu'est-ce qui vous amène ? Natacha avait oublié sa veste chez moi l'autre jour. J'ai trouvé ça dans sa poche. Chère Natacha, tu sais que je t'aime, mais il est hors de question d'avoir un enfant ensemble, ce serait le début de la fin. Allez-y, continuez. Il faut que nous en parlions, et même le plus vite possible. Vous connaissez l'écriture ? On pourrait peut-être se tutoyer. D'accord, moi c'est Joseph. C'est quelqu'un de ta classe ? Peut-être un professeur ? Il faut trouver quelque chose pour comparer les écritures. Une photo de classe où chacun a écrit son nom avec une petite phrase, un truc comme ça. Oui, la pétition. On a tous marqué notre nom et on a signé pour aider un élève étranger dont les parents ne pouvaient pas... Oui, où est-elle ? Chez Nicolas. C'est lui le délégué de classe. Bien. Ça a quelque chose à voir avec Natacha ? Ça devrait peut-être nous aider à élucider l'affaire. Merci. Et bonjour de ma part, Andy. À demain. À demain. Ça, c'est la signature de Tom Craft. Et là, celle de Nicolas. Ça pourrait être celle-là. C'est sûrement celle-là. Waouh. Et tu sais qui c'est ? Ouais. Bon, bah allons-y. Moi, j'y vais. Toi, je te ramène chez toi. Mmh. Oh, si. Marcus, c'est moi. Il y a du neuf. Je passe te chercher dans 10 minutes. À tout de suite. J'espère qu'on ne fait pas une erreur. Tu as lu la lettre et t'as reconnu la signature. Oui, Joseph, c'est vrai, elles se ressemblent, mais je n'irai pas jusqu'à l'affirmer. Regarde qui nous arrive. Monsieur Matula. Bonsoir. Bonsoir. Je vous présente Maître Lessing, l'avocat de Tom. Ah. Un bel animal. Il est de quelle race ? Vous êtes gentil. Vous n'êtes sans doute pas venu jusqu'ici pour me parler de mon chien, je me trompe ? Excusez-nous de vous déranger à cette heure tardive, mais c'est très important. Nous avons retrouvé tout à l'heure cette lettre. Et de quelle façon puis-je vous aider ? C'est vous qui l'avez écrite. Vous êtes drôle, vous. Vous débarquez ici et vous m'assénez des affirmations que je ne peux... Votre signature est identifiée par de nombreux témoins. Vous aviez une liaison avec Natacha. Je vais demander dès demain une analyse de sang afin de confirmer que c'est de vous qu'elle était enceinte. Oui, bon, écoutez, je ne veux pas que ma femme risque d'être au courant. Retrouvons-nous donc au petit bistrot qui est là-bas, dans le tournant. J'y serai dans 10 minutes. Bien. Allez, viens. Identifié par de nombreux témoins. Eh oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Pourquoi tu ne démarres pas ? Marcus, ce type a un grave problème et j'ai aucune envie qu'il aille se promener ailleurs. Regarde, qu'est-ce que je te disais. Et je peux te le garantir, il va pas au bistrot.
Qu'est-ce qu'il va faire dans le parc? Promener son chien? Ou rencontrer quelqu'un? Oh merde, c'est une lettre d'adieu. Lui parler. Ne faites pas ça, monsieur Friss. Ce n'est pas une solution. Laissez-moi tranquille. Je vous en prie, essayons au moins de parler. Restez où vous êtes. Je n'ai aucune envie de vous parler. Monsieur Friss. Est-ce que tout va bien? Demande-lui. Allez, venez. Mais enfin, laissez-moi! Après la répétition, Natacha voulait vous parler à propos de sa grossesse, c'est bien ça? Oui. Bien entendu, elle voulait qu'on en parle, et je le voulais aussi. Mais mon beau-père nous avait invités à dîner, ma femme et moi. Ma femme a insisté pour y aller, et c'est pour ça que j'ai dû dire à Natacha que je la verrais que plus tard. Seulement, elle ne l'a pas accepté. Elle voulait une décision. Elle vous a pressé d'en prendre une. Et quoi? Vous êtes allé la retrouver dans les vestiaires, vous l'avez réduite au silence. Absolument pas! J'aimais Natacha passionnément. Je l'aimais passionnément. Venez, monsieur Friss, nous allons vous raccompagner. Allons, venez. De ce côté, il n'y a aucun doute. Monsieur Friss, le professeur, a mis son élève enceinte. Il a été pris d'une peur panique parce que toute son existence était en jeu. La direction l'aurait renvoyé et aurait demandé que soient prises à son encontre des mesures disciplinaires. Et son épouse n'aurait pas hésité une seconde à le quitter. Une femme issue d'une famille fortunée, je le précise. Cher collègue, quel rapport cela a-t-il avec notre affaire? Nous tenons le mobile. Et il est d'importance, beaucoup plus que celui de Tom Craft. Je demande pour cette raison la levée du mandat d'arrêt de mon client. Il est étonnant que ce soit la défense qui ait découvert l'auteur de la grossesse de cette jeune fille. Cela aurait été plutôt votre travail. Oui, bien sûr, mais n'oubliez pas qu'il s'agit en l'occurrence d'un meurtre et non pas d'une recherche en paternité. Exact. Cet homme avait tout intérêt à ce que ne soit jamais révélée cette grossesse, car il savait quelles en seraient les conséquences. Il avait toutes les chances de se retrouver à la rue, sans travail, sans famille, sans argent. Monsieur Friss a été victime d'une crise de nerfs, mais nous avons pu l'interroger ce matin. Il nie être l'assassin. Et tous les indices plaident en sa faveur. Pour l'heure du crime, il a un alibi, lequel a été confirmé par sa femme et par son beau-père. Alors veuillez s'il vous plaît m'expliquer pourquoi Peter Friss, au moment où son secret a été révélé, n'a pas envisagé d'autre solution que de tenter de mettre fin à ses jours. Il prétend avoir cédé à une réaction immédiate de panique et de honte. Dans sa lettre d'adieu, il ne faisait que des réflexions personnelles. Pas un seul instant, il n'a fait allusion au meurtre. Bien sûr que non. Il n'avait pas le courage d'assumer son acte. Tom Craft était sur les lieux du crime. Il s'est laissé aller à des attouchements sur la victime. Il avait un mobile. Nous demandons que le mandat d'arrêt soit maintenu. La demande de levée du mandat d'arrêt du présumé coupable est refusée. Il n'existe, à mon avis, aucun rapport convaincant entre la paternité de M. Friss et le meurtre lui-même. Vous n'avez pas le droit de jouer comme ça avec ma vie. Tom. Vous vous servez de moi comme bouc émissaire. Mais pendant que vous y êtes, enfermez-moi jusqu'à la fin de mes jours. Coupez-moi la tête. C'est ce que vous voulez, tu non? Tu veux bien la fermer. C'est ce que j'allais lui recommander. Tom, ce n'était que la première étape. L'alibi de Friss n'est pas très solide, à mon avis. Encore une preuve et je suis sûr de vous sortir de là. Au revoir. Ne t'inquiète pas trop, Tom. Je me doutais bien que tout ça allait prendre du temps. Les juges sont très pointilleux, ce n'est que ça. Je n'ai aucune illusion, maman. Les flics m'ont déjà condamné depuis longtemps. Ils veulent que je reste en prison. Je ne tiendrai pas le coup, maman. Il faut t'accrocher, Tom.
Adam sortira. Nous y arriverons ensemble. Venez, s'il vous plaît. Mais dis donc, je rêve ou quoi? Comment t'es entrée ici? J'ai dit au gardien que j'étais ta nièce, voilà tout. Ah. Et ça, qu'est-ce que c'est? Vas-y, écoute. Une sauce spaghetti trop salée. Je t'ai aussi apporté les pâtes. Je suppose que tu n'as pas de provision, non? Non mais qu'est-ce que tu attends de moi? Tu n'as pas d'amis? J'avais une amie. Mais elle est morte. Oh, excuse-moi. Je peux dormir chez toi cette nuit. Tu veux me répéter ça? C'est juste parce que mon père a ramené sa copine à la maison pour la nuit et je ne peux pas la supporter. C'est seulement pour une nuit, promis. Je dormirai sur le canapé. Ah bah heureusement. Qu'est-ce que c'est? Une pommade antidouleur. J'ai eu un petit accident du travail. Je suis retournée voir la mère de Nicolas. À moi, elle me parle. Et elle t'a dit quoi? Du crack? Est-ce que Natacha fumait du crack avec ça? Sa mère l'a trouvé au milieu de ses affaires. J'ai dû lui promettre de tout faire disparaître et d'en parler à personne. Je parie que ces saletés lui ont été fournies par Andy. Tu as déjà touché à ça, toi aussi? Non. Je sais simplement qu'on dit procurer un peu de cam aux autres de temps en temps, et c'est tout. Et c'est tout? C'est de la saleté, cette drogue, de la merde! Oui, homme vertueux. Le crack, c'est pas de la rigolade. Au bout, il y a la mort. Dis donc, est-ce que tu le savais? Dis-le! Non, j'ignorais. Non, mais... Il y a quelques jours, Natacha, au cours d'une répétition, a dit à propos d'un personnage... Ce Melchior, il est comme Andy. Il peut te rendre heureuse et il peut aussi te tuer. Et c'est maintenant que tu me dis ça? Oui, j'avais oublié. Je pensais que Natacha exagérait encore une fois, mais maintenant... Bon, il faut que j'aille voir Maître Lessing. Et bien sûr, je vais devoir partir aussi. Ben, mange déjà tes spaghettis. À partir de maintenant, je m'occupe sérieusement de Sandy, parce que je le crois capable de tout. J'ai appris pourquoi il avait fait de la prison. Une histoire de drogue, il y a des chances. Attaque à main armée d'une pharmacie. À 18 ans, il n'a pas hésité à poignarder le pharmacien. S'il n'avait pas été mineur à l'époque, il serait encore en prison aujourd'hui. Peut-être que Natacha le savait et qu'elle l'a menacé de tout révéler. Et dire qu'il peut aller et venir dans le lycée autant qu'il veut. Et on n'a jamais vérifié où il était au moment du meurtre. Décide oui ou non, j'arriverai à te faire parler, crois-moi. Alors, où est-ce que tu l'as caché? Tu vas répondre? Je l'ai pas. Et tu t'imagines que je vais te croire? T'es un véritable dur, Andy. Mes félicitations. Mais j'ai plus le temps de m'amuser. Pour la dernière fois, où as-tu caché cette cam? Je te donne 3 secondes. 1. Ça va. Enlève ça et je te réponds. Brave petit gars. Dépêche-toi. Allez. Et n'essaie pas de me doubler. Tu te voyais déjà toucher le fric, hein? Et maintenant, pour te remercier. Vite gagné, vite perdu. À qui ai-je l'honneur? T'occupe pas de savoir qui je suis. La cam en vitesse. Et on se calme, tu veux?
Dans ma poche droite, il y a de l'argent. Prends-le et fous le camp. Où est-ce qu'Andy a eu cette cam? C'est un des Albanais qui lui a vendu. On peut pas être plus idiot. Andy croyait qu'il allait pouvoir fourguer cette cam dans la rue et qu'on le regarderait sans rien dire. Passe-moi la cam, dépêche. Tu risques de le payer cher. Demande à Andy ce qui est arrivé à l'Albanais. Demande-toi plutôt ce qui va t'arriver si jamais je m'énerve. Dégage. Vous êtes chez Matula. Oui, je sais, c'est moi, Joseph. Je suis dans le magasin d'Andy. Et à côté de moi, il y a pas mal de CD-ROM qui traînent. Et sur l'un d'eux, il y a un autocollant avec écrit Hip Hoppers. Tu crois que c'est celui de Natacha? Oui, c'est sûrement le sien. C'était son groupe de rock préféré. Je sais pas faire fonctionner ces trucs, moi. Tu t'y connais, toi? Oui, bien sûr. J'arrive tout de suite. C'est simple que ça? Dis-t'en, tu t'y connais vraiment bien. Oui, je te l'ai dit. Bon, et maintenant? Vous vous envoyez tous des emails régulièrement? Tu penses pouvoir y accéder? Oui, à condition que Natacha n'ait rien effacé. Tu penses trouver quelque chose sur Fritz? Peut-être aussi sur les trafics de drogue de Andy. J'en suis sûr, Natacha devait être au courant. Peut-être même qu'elle l'a menacé d'en parler. Eh bien, on va regarder. Voilà, j'y suis. Très bien. Et maintenant, essaie de trouver les emails envoyés ces 5 derniers jours. Voilà la liste, la date et à côté l'expéditeur. Tu veux voir lesquels? Qui est Moritz 2? Aucune idée. Un personnage de notre pièce s'appelle Moritz. Je me doutais qu'il y avait quelque chose entre Fritz et toi. Et maintenant, je le sais, il fait joujou avec toi, alors arrête avant de courir à la catastrophe. Moi? Et vas-y, continue. Moi, je t'aime, lui, il se sert de toi. Je ferais n'importe quoi pour toi. Je serais même capable de le tuer s'il te rendait malheureuse. Qui peut bien être ce Moritz 2? Tu n'as aucun moyen d'accéder aux données? Difficile. Les informaticiens sont très tatillants là-dessus. Alors, on fait quoi, maintenant? Tu pourrais en faire une copie? Bien sûr. Alors, vas-y. Tu sais de quoi il est question dans l'éveil du printemps? Dans les vieilles de quoi? L'éveil du printemps, c'est notre pièce de théâtre. Aucune idée. D'une jeune fille qui se retrouve enceinte et qui meurt pendant l'avortement. Et tu sais qui était prévu pour jouer le rôle de Moritz? Tom Kraft. Tu veux dire que Tom Kraft aurait pris le pseudonyme de Moritz 2 et aurait envoyé ses emails? Eh bien, j'en sais rien. C'était juste une idée. Pas si mauvaise que ça, cher collègue. Bonne nuit. Bonne nuit. Tom m'a juré qu'il n'a jamais envoyé le moindre email sous le nom de code de Moritz 2. Il dit que ça pourrait être n'importe qui du groupe, même Fritz. Espérons qu'Andy n'a pas remarqué que vous avez touché au CD-ROM de Natacha. Il risquerait de tout effacer. Tiens, tout a été copié. Hé, je savais pas que tu étais aussi doué en informatique. Alors, comment allons-nous trouver qui est ce Moritz 2? Tu vas voir Fritz aujourd'hui? Je croyais qu'il avait été suspendu. Oui, mais il a dit qu'il passerait aujourd'hui uniquement pour nous dire au revoir. Laura pourrait se renseigner pour nous. Que je dise, par exemple, je viens de recevoir un email, je voudrais savoir de qui. Parfait. Il faut mettre la pression sur ce Moritz 2, qu'il finisse par se révéler.
Faire comme si on était proche de la solution. Exact. Et le CD-ROM, ce sera notre appât. Allons-y. Oh, on a oublié quelque chose. Faites-y bien attention, Helga. Qu'est-ce que c'est ? Un bon paquet de coke. Avec mon beau souvenir à la police. Le numéro de la voiture de Charlie. Et on ne met pas son nez dedans. Allez, viens, Laura. Je donnerai ça plus tard à la police. Oui, et qu'est-ce que j'en fais ? Je vous remercie tous de votre présence. En fait, je voulais tout simplement vous dire à quel point je regrette que mon attitude ait pu vous décevoir. Mais sachez que travailler avec vous m'a apporté beaucoup de satisfaction. Et j'aimerais que notre pièce puisse voir le jour comme prévu. Nicolas est un très bon metteur en scène et vous pouvez vous passer de moi, non ? Arrêtez votre cirque, ça m'intéresse pas, vos boniments. Eh bien, moi, je trouve très courageux de la part de Monsieur Fries d'être venu ici. Il n'y était pas du tout obligé. Il n'y avait qu'à laisser Natacha tranquille et rien de tout ça ne serait arrivé. Ça n'a rien à voir avec le reste. Il ne pouvait pas imaginer une seconde que Tom... Tiens, c'est celui-là. Il est tout le temps en panne. Ce pauvre Tom. Les flics font une fixation sur lui. Maintenant, ils veulent lire les emails qu'il envoyait à Natacha. Comment ça ? Ils n'ont pas le droit. C'est ce que m'a dit le détective. Et aussi que le procureur allait sans doute saisir le CD-ROM de Natacha cet après-midi à la boutique d'informatique. Chez nous ? Je suis pas au courant. Si tu t'imagines qu'ils vont te prévenir. Alors, j'emporte. À plus tard. La trouille, là. Le procureur a également découvert que Andy vendait de la drogue à Natacha. Eh ben, je vais me sauver, moi aussi. Je vous souhaite à tous plein de bonheur. Allez. Tu sais, peut-être qu'on se trompe complètement. Non, la découverte de ces emails permettra d'incriminer quelqu'un. Et si on a de la chance, cette personne avouera. Et si c'était Andy lui-même ? Eh, regarde qui nous arrive. Fries. Allons voir ça de plus près. À quelle affaire immonde vous avez osé mêler Natacha ? Attendez, c'est pas vous qui allez me donner des leçons de morale ? Vous croyez que vous allez vous en tirer aussi facilement ? Je vais vous casser la gueule, moi ! Monsieur Fries, qu'est-ce que ça signifie ? Je vais vous casser la gueule, je vais porter plainte contre vous. Lâchez-le tout de suite. Il arrive ici comme un fou et il se met à me frapper. Il a vendu de la drogue à Natacha. Ça suffit, arrêtez. Fumier ordure. On le sait que c'est un dealer. Qu'est-ce que vous racontez ? Je touche jamais à la drogue, moi. Non, tu caches seulement de la coke dans les ordinateurs. Avec votre copain Nicolas Conradi, vous espériez faire un gros coup, mais ça a complètement échoué. C'est Conradi qui a eu l'idée. C'est pas nous qu'il faut convaincre, ce sera le procureur. Hé, hey, quelqu'un s'enfuit avec le CD-ROM de Natacha. Allez, assis. Tiens, tiens, Conradi. Alors c'est toi, Moritz II. Trop tard. On a tous les emails sur disquette. C'était Tom, c'est lui qui les a envoyés. Vous vous êtes servi de son nom et en plus maintenant, vous vouliez effacer les traces. Tu étais jaloux de Fries et tu as voulu sortir avec Natacha après la répétition. Mais elle a préféré rester avec Fries. C'est n'importe quoi. Monsieur Conradi, on a relevé toutes les empreintes se trouvant sur le lieu du crime et il y avait les vôtres. Les informaticiens de la police trouveront qui se cachait sous le nom de Moritz II et vous serez interrogé sans relâche. Natacha m'aimait, j'en suis certain. Nous étions faits l'un pour l'autre, elle-même, elle le disait. Après le départ de Tom, vous êtes allé la retrouver dans le vestiaire. Et ensuite ? Natacha était assise dans un coin, elle était toute triste. J'ai voulu la prendre dans mes bras, mais elle a dû croire que je... Que vous vouliez profiter de la situation ? Elle s'est mise à crier... Je lui ai dit à quel point je l'aimais, que Fries ne faisait que se servir d'elle, que moi je la protégerais. Et seulement elle t'a repoussé. Fries, c'est un homme, elle m'a dit. Et toi, t'es rien qu'un... Rien qu'un quoi ? T'es qu'un petit minable, elle m'a dit. Alors je me suis mis à serrer.
Jusqu'à ce qu'elle se taise, enfin. Allons-y. Je suis très reconnaissante, monsieur Matula. Attendez de voir ma facture. Ah, vous avez été drôlement efficace, merci beaucoup. À vous aussi. Vous avez tant fait pour nous, maître, merci. Je vous en prie. Regarde qui t'attend dans la voiture. Chico. Je t'ai manqué, dis-moi. Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? T'es pas à l'école? J'ai pensé qu'il y avait quelque chose à fêter. Avoue que sans moi, tu t'en serais jamais sorti. D'accord, mais c'est exceptionnel. Après ça, il n'est plus question que tu sèches tes cours. Eh bien, regarde-leur. Je le trouve bien sévère avec vous, monsieur Matula. Il fait semblant d'être sévère. Hein, Joseph? Dis donc, tu viens avec nous? Mes clients m'attendent. Ah ben, tu vois, tout le monde doit travailler, et toi aussi, plus tard. L'école, c'est du travail.